Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Chers bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bon après-midi, partout où vous êtes en ce moment. Je profite de cette occasion pour saluer tous les bien-aimés qui nous suivent en direct de Go Live TV, cette chaîne chrétienne qui nous permet de venir chez vous, dans vos maisons, dans vos cellulaires, pour vous apporter la parole de Dieu. Soyez les bienvenus. Je salue les bien-aimés qui nous suivent aux Antilles, ceux qui sont au Brésil, en Argentine, les bien-aimés ici en Amérique du Nord, que Dieu vous bénisse. Je salue les bien-aimés qui sont en Europe, ceux qui nous suivent en Afrique, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse parce que nous allons passer un bon après-midi autour de la parole du Seigneur. Peut-être là où vous êtes, c'est déjà la nuit. Soyez connectés et l'Esprit de Dieu va nous unir tous. Cet après-midi, nous allons parler d'un sujet particulier, dont le thème est intitulé « Les paradis de Dieu ». Nous allons aborder le volume numéro 1 et nous allons essayer de continuer pour approfondir cet enseignement par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, je vous demande partout où vous êtes, serviteurs de Dieu, de prendre juste une minute pour pouvoir partager cette vidéo afin de permettre à tous nos frères et sœurs qui nous suivent d'écouter ce message. Ce message n'est pas enseigné souvent dans nos églises. Donc c'est une occasion de permettre à d'autres bien-aimés de suivre cet enseignement. Alors nous allons prier, demander la grâce de Dieu et nous allons lire la parole du Seigneur pour entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Éternel notre Dieu, mon âme te bénit. Mon âme t'élève, Seigneur, pour ta grâce, ta bonté. La Bible dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que ce moment soit un temps béni pour la gloire de ton nom. Merci pour la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Que le Saint-Esprit élève le nom tout-puissant de Jésus. Entre tes mains, je m'abandonne comme un instrument. Que l'huile fraîche coule dans ma vie pour parler de ta part, tendre Père. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur d'aller dans les lieux arides. Je proclame que Jésus est Seigneur et je suis en train de sceller cette place par le sang de l'agneau. Que le nom du Seigneur soit glorifié et tous les saints nous allons dire Amen. Merci, peuple de Dieu, toi qui viens d'être connecté. Donc, nous parlons sur le paradis de Dieu. Un enseignement qui n'est pas enseigné dans nos églises. Un enseignement qui doit attirer notre attention dans ces derniers temps de la fin, des moments difficiles que nous sommes en train de vivre, le temps où l'Église nous attendons le retour du Seigneur. Alors nous allons tout simplement prendre nos Bibles et pendant ce temps essayer de partager la vidéo servant de Dieu, homme de Dieu. Pendant que vous partagez, peuple de Dieu, Dieu est en train de vous bénir par sa grâce. Nous allons lire la parole dans le dernier livre d'Apocalypse, le livre de la Révélation, chapitre 22, le verset 1er au verset 5. La Bible déclare, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois.
et dont le fait servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampes ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle de siècles. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Celui qui a écrit, c'est l'apôtre Jean. Il était dans l'île de Patmos, incarcéré. Il était condamné dans la prison là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur se révélait à Jean pour lui montrer les choses qui arriveront. Les livres d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui arriveront bientôt. Qui dit serviteur, ça veut dire l'Église, l'épouse de Christ, le corps de Christ, dont Jésus-Christ est la tête. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Amos 3, 7, que Dieu ne fait pas quelque chose sans avoir les révélé à ses prophètes. Ici, dans le texte, Dieu est en train, par l'entremise d'un ange, montrer à Jean le nouveau paradis de Dieu. Après que l'ange a montré à Jean la nouvelle cité, l'épouse de Dieu, la nouvelle Jérusalem, alléluia, qui descendra du ciel, bien-aimé, dans ce texte de dernier chapitre, l'ange est en train de montrer à Jean. Jean était ravi en esprit, Jean était transporté en esprit, parce que quand nous regardons le contexte, il n'est pas sur la terre. Il est transporté en esprit et il dit clairement, et il me montra un fleuve d'eau. Donc, il a été transporté et l'ange lui montre les choses dans le nouveau paradis de Dieu. Ce que nous devons retenir, que la prophétie, c'est un mystère caché que Dieu dévoile par le Saint-Esprit et ça devient une réalité. Aucun homme dans ce monde ne peut, bien-aimé, changer ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a déclaré, ça va se réaliser au temps de Dieu. C'est pour cela que Dieu veut que nous ayons la connaissance. Parce que l'ignorance n'est pas une excuse pour Dieu. Dans les livres de Osée 4 et 6, la Bible dit que si mon peuple est détruit, c'est parce qu'il manque la connaissance. Ce qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui, ce qui tue les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, c'est le manque de connaissances. Dieu est en train de nous révéler ce qui arrivera dans le futur. Aucun bishop, aucun pasteur, aucun évêque, aucun archipape, aucun prophète ni un évangéliste ne peut, bien-aimé, avec exactitude, déterminer ce qui va arriver dans le futur, si ce n'est que Dieu lui-même par le Saint-Esprit. Donc ici, la première révélation, nous allons d'abord voir un nouveau paradis supérieur à celui du jardin d'Éden. Un paradis meilleur que Dieu est en train de montrer à ton serviteur. Que Dieu veut que tu puisses comprendre. Ce message n'est pas enseigné dans ton église. Ce message, ce n'est pas enseigné peut-être dans les réseaux sociaux. Mais Dieu te donne l'opportunité pendant les jours de notre pèlerinage sur la terre, de comprendre qu'il y a un nouveau paradis de Dieu, que Dieu prépare pour le saint, pour les enfants de Dieu. Donc ici, dans la révélation de la parole, cette description de l'éternité dans ce texte fait revivre le tout premier chapitre de la Genèse qui décrit l'origine de toutes choses. Lorsque nous lisons Genèse, nous voyons l'origine de toutes choses qui découlent dans ces livres-là. Donc, bien-aimés, le jardin en Éden était planté à l'Orient dans lequel vivaient Adam et Ève. Dieu avait créé un jardin où il avait placé l'homme et la femme pour les cultiver. Leur existence
n'était pas troublé par la maladie et la mort. Mais malheureusement, bien-aimés, comme ils ont désobéi à Dieu, la Bible montre qu'ils ont été chassés de ce jardin d'Éden. L'homme ne pouvait plus rester, l'homme était coupé de Dieu. Il était créé à l'image de Dieu. L'homme avait perdu l'image de Dieu. Il ne pouvait plus rester dans le jardin de Dieu, dans le paradis que Dieu avait créé en Éden. Voilà, peuple de Dieu. Donc, lorsque nous parlons du paradis de Dieu, nous devons d'abord comprendre ce que signifie le paradis. Pour beaucoup de gens, c'est une utopie, ça n'existe pas. Pour d'autres personnes, cette place n'existe pas. Mais selon la parole de Dieu, le paradis de Dieu existe. Parce que nous le voyons dans ce texte, un ange qui transporte Jean en esprit pour lui montrer les choses qui auront lieu dans le paradis de Dieu. Donc le paradis, selon la Bible, est un lieu de grande joie et de félicité de tous les saints qui croient en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est une réalité. Quand tu crois en Jésus, pendant que tu es sur la terre des vivants, peuple de Dieu, sache qu'il y a un endroit qui t'est réservé, que Dieu appelle le paradis. Le paradis de Dieu, c'est aussi un endroit où les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu, les chrétiens qui marchent dans la sainteté, dans l'obéissance, irions vivre avec Christ pour l'éternité à la fin des milléniums. Nous savons que lorsque le Seigneur reviendra dans son avènement en gloire pour instaurer le règne des mille ans, mais après les mille ans, il y aura le jugement dernier. Et ce n'est qu'après que l'Église, le Saint, les anges qui seront avec lui, ils iront vivre dans le paradis, dans l'éternité, pour les siècles de siècles. La Bible témoigne cela dans les versets 5. La Bible dit, « Et ils régneront au siècle de siècles. » C'est là que les saints vivront avec l'homme de Galilée, l'agneau immolé, le Christ, le oint de Dieu pour l'éternité. Quel mystère dans la parole de Dieu! Le paradis est la demeure actuelle de Dieu et des êtres célestes. Comme des anges, ils sont là. Ou les 24 vierges, quand nous parlons, ils sont dans le paradis. Ainsi que des morts en Christ, tous ceux qui meurent en Jésus. La mort, c'est le chemin de tout un chacun, de tout homme. La mort n'a pas de jour férié, des païens meurent comme des chrétiens. Mais la différence, c'est que lorsqu'un enfant de Dieu qui a Jésus dans sa vie comme Sauveur et Seigneur et qui meurt bien-aimé dans le Seigneur, il va dans le paradis sans transition. Celui qui ne connaît pas le Seigneur, il descend automatiquement dans les lieux de tourment. Écoutez la parole, peuple de Dieu, dormir, se réveiller, ce n'est pas un exercice que nous faisons. C'est une grâce par excellence que Dieu nous accorde. Ecclésiaste dit, le fait de manger, de boire, même si vous avez des villas, même si tu es président, reine, tu as des avions, tu as des voitures blindées, n'importe quoi, tu peux avoir des climatiseurs dans ta maison. La Bible dit, cela c'est une grâce par excellence que Dieu nous accorde. Quand la mort vient frapper dans ta porte, la mort ne vient pas toute seule. La mort est toujours accompagnée de son ami qui est le séjour de la mort. Parce que jusque-là, les lieux de feu, les temps de feu n'est pas encore ouvert. Voilà la différence. Le saint qui croit en Jésus, ils iront dans le paradis, les lieux de félicité. Alléluia. Quel mystère. Dans la vie d'un homme, il y a 4 étapes dans la vie d'un homme, d'une personne. La première étape, c'est ce que la Bible montre, c'est l'étape de la naissance. Nous naissons dans ce monde. La deuxième étape,
La Bible appelle cela, c'est l'étape pour grandir. Pendant cette étape-là, Dieu t'appelle à faire tout ce que tu veux, tu as grandi. Tu peux aller étudier, tu peux aller travailler, tu peux te marier. Dans cette étape-là, vous pouvez faire les enfants. Dans cette étape-là, c'est pour jouir de la vie que Dieu t'accorde pendant ton jour de pèlerinage sur la terre, parce que c'est une grâce que Dieu t'accorde. Troisièmement, il y a l'étape de la vieillesse, où l'homme grandit, parce que le corps vieillit. Voilà, où le corps vieillira, bien-aimé, dans le Seigneur, que tu le veuilles ou pas. À cause du péché, l'âge de l'homme a été réduit. Dieu déclare dans le psaume 90 que l'âge de l'homme va jusqu'à 70 ans et le plus fort peut aller à 90 ans. À part ça, ça sera que l'orgueil, la vanité des vanités, tout est rien, l'homme passe. Et la quatrième étape dans la vie d'un être humain, c'est l'étape de la mort. La Bible appelle cela les jours mauvais dans Ecclésiaste 12, 3 à 4. La Bible dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta vie sur la terre. God told me to tell you that. This is the time to remember God. Because God loves you. Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Dieu te donne la vie. Dieu te garde. Dieu ne désire pas la mort des pécheurs. C'est que Dieu veut que les pécheurs changent de comportement et qu'ils vivent. Souviens-toi de ton Créateur, parce que le jour mauvais viendra. Le verset 4 l'a dit, la lune ne sortira plus, les étoiles ne sortiront plus, le soleil n'éclaira plus. C'est l'image de la mort de l'homme qui s'éteint. Bien-aimé dans le Seigneur, la plus grande question que tout un chacun de nous doit se poser en écoutant ces messages, que tu sois pasteur, que tu sois évêque, bishop, peu importe ta renommée, le nombre de membres de ton assemblée, ce sont des fonctions que Dieu nous donne. Mais un jour, ces fonctions finiront. Ton environnement va t'oublier. Lorsque tu arriveras dans les dernières étapes. Je viens de démontrer qu'il y a des places où tu vas dans les paradis que Dieu prépare, où tu iras dans les lieux de tourments, de souffrances. Les choix que tu dois faire, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible dit, on ne prend pas garde quand Dieu nous parle. Peu importe ton argent, on ne va pas t'enterrer avec cela. Tout homme est mortel. En écoutant ce message, prends un moment de silence, de pause. Pose-toi cette question. Si tu fermes tes yeux aujourd'hui, peuple de Dieu, toi qui écoutes les messages, et tu les ouvres au-delà, où passeras-tu ton éternité? Where are you going to spend your eternity? Dans le paradis, les lieux de félicité, avec Christ, ou dans les lieux de tourment, où tu fais par tes raisonnements pour dire que l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas. Mais Dieu existe. Jean était ravi. L'ange lui montre le paradis de Dieu, là où les saints iront vivre avec Christ. Quel mystère! Les choix que tu fais aujourd'hui changera ta vie. Les choix que tu vas faire d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur. Je ne dis pas de l'église. Aller dans l'église bâtiment est une autre chose. Vivre selon les principes établis par Dieu, c'est une autre chose dans la parole. Les choix, your choice you're making today is going to change your life. Les choix que tu vas faire changent ta vie. Les choix que tu dois faire aujourd'hui détermineront ton éternité. That's why God's calling you today. Dieu t'appelle.
sans tenir compte de tant d'ignorance. Que tu sois sorcier, que tu sois féticheur, toi qui as signé des pactes dans la magie, dans l'occultisme. The Bible says, la Bible dit, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jesus Christ loves you. Dieu t'aime. Your church is not going to save you. Your pastor is not going to save you. Nobody is going to save you. Only Jesus. Le sang qu'il a versé à la croix. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Alléluia. He's coming soon. Jésus revient bientôt. Le paradis est inévitablement lié à la vie après la mort. Pas dans le présent quand tu es vivant. À moins qu'ils reviennent aujourd'hui, parce que la Bible dit que les vivants et les morts en Christ seront enlevés. Mais tant que tu es là sur la terre, tu ne peux pas parler de paradis. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Toi qui as le cœur mauvais, toi qui vas dans l'église, tu as la Bible, la haine dans le cœur. Toi qui as la jalousie dans le cœur. Toi qui as la méchanceté, le cœur de l'homme est mauvais à cause des venins du serpent. Qui peut connaître le corps de quelqu'un? Toi qui as abandonné, ça ne changera jamais Dieu. Il est assis sur le trône. Le paradis de Dieu, c'est un endroit de bonheur et de plénitude réservé aux âmes que Dieu aura sauvé par sa grâce en Jésus-Christ pendant les temps de leur vie sur la terre. Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée partout, dans les réseaux sociaux, bien que les autres exploitent la parole pour faire de l'argent. But le temps de Dieu viendra. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement de Dieu. Quand tu es vivant, mon frère, ma soeur, c'est le moment de prendre la décision. C'est le temps de servir Dieu dans la crainte, dans l'honnêteté. Parce qu'un jour, il n'y aura pas le temps d'aller à l'église. Il n'y aura pas le temps de servir Dieu. Tout finira. Nous avons perdu beaucoup de hommes de Dieu récemment. Il y a aussi des païens qui meurent. Quelle grâce que Dieu nous accorde. Dans Luc chapitre 23, 43, Jésus a dit au brigand qui était à la croix, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Vous voyez, bien-aimé, il a eu la grâce d'être avec Jésus-Christ à la croix. Mais peut-être tu n'auras pas cette grâce-là, tu seras cloué dans les lits de l'hôpital, tu ne sais pas quand la mort viendra. I want to tell you something, je vais te dire, toi qui traverses le moment le plus difficile, toi qui n'as pas de mariage, les difficultés, les souffrances, les épreuves, ne change pas les promesses de Dieu. God is able to make a way when there is no way. Dieu est capable de changer la destinée de ta vie. You need to believe to Jesus Christ. Tu dois croire en Jésus. Nous voyons le pauvre Lazare, dans Luc chapitre 16, 22, après sa mort, il était entré dans le paradis appelé le sein d'Abraham, alors que les riches, qui avaient tout sur la terre, ils se retrouvaient dans les lieux de tourment, dans la souffrance. Il dira à Abraham, j'ai des familles, envoie quelqu'un pour aller dire à ma famille de ne pas venir en ces lieux. Abraham lui a dit, ils ont les prophètes, alléluia, et la loi. Qui les écoute? Il y a les hommes de Dieu qui prêchent. Même si quelqu'un de la mort vient aujourd'hui, les gens endurcissent leur cœur. Alléluia. Paul de son vivant fit ravi au troisième ciel. Dans le paradis, il a vu les choses qu'un homme ne pouvait pas voir. C'est pour cela pour que Paul ne soit pas enflé d'orgueil. Dieu l'avait mis une écharde dans sa vie. Il a prié à trois fois. Dieu lui dira, « Ben, grâce te suffit, Paul. » Alléluia. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute.
Les gens oublient le faible commencement. Combien des hommes de Dieu qui ont oublié le faible commencement, qui vivent dans la débauche, dans les compromis. Les églises sont devenues des centres commerciaux. Là où il y a des fanatismes et les membres de leur tribu. Mais c'est aujourd'hui que Dieu vous appelle à vous repentir. Il y a le paradis de Dieu que Dieu a préparé. Bien-aimés, le paradis de Dieu, c'est aussi un endroit d'espérance de tous les croyants. Abraham espérait. La Bible dit qu'ils viendront de l'Orient, de l'Occident. Alléluia. Ils verront Abraham et tous les autres saints de la Bible. En lapide à Étienne, lorsque l'Esprit l'a ouvert les yeux, il a vu Jésus debout. Il était prêt pour l'accueillir d'entrer dans le paradis. C'est une réalité. Si tu fermes tes yeux aujourd'hui, toi qui me suis, toi qui suis, écoute la parole du Seigneur, tu les ouvres au-delà, où passera-t-il ton éternité? Les gens pensent qu'ils vivent en Europe, en France. Les gens pensent que parce qu'ils vivent ici en Amérique ou en Océanie, ils sont arrivés dans le paradis. Ils ont oublié Dieu. Et d'autres disent, on faisait des jeûnes forcés parce que tu roules dans un Mercedes, dans un Rolls. Tu as oublié Dieu. Non, ce n'est pas le paradis. Bien-aimés, toutes choses passeront dans ce monde. Dieu nous fait la grâce. Les premiers et les derniers livres de la Bible, Genèse et Apocalypse, sont en fait en association étroite. Ces deux livres sont connectés. Au commencement, Dieu a créé le paradis qui a été détruit. Il a chassé l'homme quand le péché était entré. Voilà dans les derniers livres, Dieu montre à son serviteur le nouveau paradis de Dieu. Un jour, nous irions vivre là-bas. Comment tu marches, comment tu sers Dieu. Quand le ministère devient un ministère de concurrence aujourd'hui. Quand les gens pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Le temps de Dieu viendra un jour où il n'y aura plus de fonction. Où tu n'auras plus le temps d'aller dans les réseaux sociaux pour parler. Toi qui fais des millions dans la tête des gens. God's time is going to come for you. Le temps de jugement. Donc ici, les thèmes exploités dans Genèse ne trouvent que leur dénouement dans les derniers livres d'Apocalypse. Quel mystère! Parce que la Bible s'interprète elle-même. Dans les jardins d'Éden, écoutez quatre caractéristiques très importantes que je vais donner, bien que le temps est en train de partir. Dans les jardins d'Éden, il y avait d'abord un fleuve d'eau pour arroser les jardins, qui est l'image du Saint-Esprit était dans les jardins. Écoutez la révélation. Celui qui arrose, c'est le Saint-Esprit. Il se mouvait au commencement, au-dessus des eaux, pour donner la forme. Et ce fleuve était divisé en quatre parties. Dans les jardins d'Éden, il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin, qui est Christ. La vie n'était pas activée en ce moment parce que l'homme vivait sous la dépendance de Dieu. Mais Christ était là. Dans les jardins, il y avait le feuille et le fruit du jardin qui étaient agréables à voir et bons à manger. Et au milieu du jardin se trouvait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'image de la mort. La mort était là, mais la mort n'était pas activée parce que l'homme vivait sous la dépendance de Dieu. Cet arbre que Dieu avait interdit à Adam et Ève d'y manger, de perdre, de mourir. Et les jours où ils en ont mangé, ils étaient morts spirituellement. Et la mort spirituelle entraînait la mort physique, qui est une des conséquences. Par contre, ici, dans ce chapitre, dans le chapitre 22, ce texte nous décrit ce qu'il y aura dans le nouveau paradis de Dieu. J'ai dit que les deux textes sont étroitement liés, les livres de Genèse et d'Apocalypse.
Nous voyons ici, Jean voit d'abord le fleuve d'eau de la vie. Alléluia, quel mystère! Lorsque l'ange lui montre un fleuve d'eau de la vie, donc il lui montre le Saint-Esprit qui donne la vie. Si tu as soif, cette eau qui enlève, alléluia, comme la femme samaritaine qui est venue chercher l'eau, Jésus dit, je te donnerai de l'eau, tu n'auras plus soif. C'est l'Esprit qui enlève la soif de l'impudicité, la soif de la corruption, la soif des mensonges. Il te donne la soif, il t'enlève la soif là, de mauvaises passions. Il voit l'arbre de vie dans le jardin. Oh, bien-aimé, l'arbre de vie, c'est Christ qui sera dans le paradis de Dieu. Il est le donneur de vie, comme le Saint-Esprit le donneur de vie. Ici, Jean montre qu'il y a les fruits du jardin qui seront agréables à voir et bons à manger. Alléluia. Parce que l'homme vivra, il pourra les manger. Alléluia. Et les feuilles qui serviront à la guérison des nations, compte tenu des secrets du péché. Bien-aimé, il faudra du temps pour que l'homme né de nouveau soit guéri totalement dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit. Il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la malédiction. Alléluia. Et il y aura surtout la cohabitation de Dieu avec l'homme né de nouveau en Christ. L'Église l'épouse dans les jardins. Il n'y avait qu'Adam et Ève et Dieu venait les visiter le soir. Mais ici, Dieu va cohabiter avec tous les saints, l'Église qui est le corps du Christ. I'm going to close this message. Je vais terminer ici parce que le temps est parti. C'est juste pour l'introduire aujourd'hui, pour vous dire combien cet enseignement est capital dans nos églises, dans nos ministères. L'orgueil que nous en tirons n'est que rien du tout. J'ai un grand ministère, j'ai fait autant de voitures. On parle avec orgueil. Tout a été vanité de vanité et la poursuite devant. Je vais prier pour avec toi. Toi qui ne connais pas le Seigneur, I'm going to pray for you. Dieu t'appelle. Prends la décision qui va changer ta vie, de recevoir Jésus dans ta vie. Prends la décision, tu ne sais pas qu'un jour, paix enfantée, la Bible dit le lendemain appartient à Dieu. Toi qui es sur les lits de l'hôpital, toi qui es en voyage en ce moment, prends la décision, reviens. Dieu c'est un Dieu d'amour, il est compatissant, il est miséricordieux. God can forgive all your sins. Le sang de Jésus peut te laver, Dieu peut pardonner tous tes péchés. À moi de invite you, je vais t'inviter de faire cette prière. I want you to pray with me. La prière de la foi. Toi qui as écouté ce message, God is going to bless you. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur et je te dis merci. Merci pour ta parole que je viens d'écouter cet après-midi. Merci Seigneur parce que tu es mort pour moi à la croix. Merci pour le pardon de mes péchés. Je t'accepte comme sauveur et Seigneur, ton sang qui me lave. Et je suis devenu enfant de Dieu. Si tu as cette prière, si quelque chose arrive, aujourd'hui, bien, reviens bien la mort, tu vas entrer dans le paradis. I would like to pray before I can close with the people who are sick. Toi qui traverses les moments difficiles, I invite you right now. La Bible dit, la prière de la foi sauvera les malades. I'm going to pray, God is going to touch you. Whenever you are, if you have the problem, just pray with me by faith. Prends ta main droite, touche ton cœur. Éternel notre Dieu, j'envoie ta parole là où il y a ton peuple en ce moment. J'ordonne à tout esprit de maladie qui les rend captifs, de libérer là où il y a le peuple, dans les soins intensifs, ceux qui souffrent en ce moment. Au nom de Jésus, la Bible dit par tes maîtresses, vous êtes guéris. Seigneur, en ton nom, j'ai détruit toute l'emprise du diable. Je renverse toutes les forteresses, tous les démons familiales, des liens héréditaires, toute puissance de l'ennemi. Je les rends nuls au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison, que tes yeux s'ouvrent, que les paralytiques marchent, que les sourds muets parlent, que les sourds entendent et que les muets parlent en ce moment. In the mighty name of Jesus Christ, I destroy, I rebuke everything the devil can bring. In the name of Jesus.
que les chaînes tombent. Holy Ghost fire. Thank you, Lord. Merci. Parce que la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Merci, peuple de Dieu. Nous avons terminé le volume numéro 1. Le temps est parti. Mais on se reverra le week-end qui vient. Souvenez-vous de ce message. Les difficultés, les problèmes ne changent pas les promesses de Dieu. Servons le Seigneur dans la crainte, dans l'obéissance. We don't know the time. Nous ne connaissons pas le temps, le moment que Jésus revient. May God bless you. May God keep you safe. Que Dieu vous bénisse dans votre famille. Remember, Jesus Christ is Lord. I'll see you next time. Amen. This is our life.